Hey, salut tout le monde et bienvenue sur Francy Gaming. On se retrouve pour un nouvel épisode sur GPS 4 avec le Brésil. Donc je vous rappelle que dans le dernier épisode, parce que là je suis en train de rigger un peu en avance, j'ai parlé du fait que les transports en commun c'était très important, qu'il fallait faire attention au niveau de l'inflation parce que les autres pays, eux, comme par exemple l'Argentine, a 11,2 d'inflation. D'ailleurs, on va un petit peu améliorer. Ah, leur classification au niveau de l'inflation, regardez, leur inflation diminue, c'est très bien, mais il faut continuer, il faut persévérer pour une diminution encore. Oh, la prévision de croissance est un peu élevée, ça fait plaisir. Notre déficit va un petit peu mieux, l'assurance chômage diminue. Nanana. Et en fait, on a une diminution un peu de tous nos ministères, tout simplement parce qu'on a une baisse de l'inflation. Donc l'inflation, c'est bien. La déflation, c'est bien au niveau de notre ministère, mais pas très bien au niveau de l'économie. Donc, dans cet épisode, je vous avais dit que nous allons améliorer nos relations diplomatiques avec nos principaux alliés. Donc, par exemple, le Pérou, Colombie, on va améliorer nos relations. Pérou, Colombie. Voilà, ça ne marche pas. Ah, si, je suis juste bête. Pérou, Colombie. Hop. Ensuite, Paraguay. Ah bon, ça je savais pas. Le Paraguay m'aime bien. Salut. Hop. Ensuite, on a le Portugal qui est ici. Diplomatie, hop, je sais que c'est ici, j'ai l'habitude de jouer à GPS 4, c'est une habitude à prendre. Portugal, la Suisse, l'Irlande, Suisse, t'es là. Oui, je sais que ta capitale c'est Berne, mais moi je vais appuyer ici. Hop, très bien. Tentative d'élimination du chef de l'État, non, tu me fais juste parvenir tout ce qui se passe. Alors, Irlande, si on peut avoir un peu plus d'alliés. Faudrait qu'on ait un allié aussi au niveau de l'Afrique. Ça va être important. Et ensuite, on a Irlande, le Belize, la Croatie. Belize. Où est-ce que c'est ça? Je ne sais pas du tout. Hop! Mais vous savez quoi, quand je ne sais pas, la meilleure chose, c'est d'aller sur Internet. Je sais que j'ai déjà entendu où c'est le Belize. Pays en Amérique centrale. Pour ça, je me disais, j'avais entendu celle-là. Le Belize, c'est là. Ah, d'accord. Donc, on va prendre rendez-vous avec le Belize. Ensuite, le Botswana. Ah, c'est où le Botswana déjà? Je sais plus où c'est. Botswana. Où est-ce que c'est? Ah, c'est à côté de la Namibie. Mais oui, je suis bête. Avec l'Angola, je devrais le savoir, ça, normalement. Est-ce que j'ai fait une partie avec l'Angola? Merci. Allez, hop. On va voir monsieur Botswana aussi. On va améliorer nos relations diplomatiques avec eux. Pourquoi pas en faire de très bons alliés. Attention au chômage. Comment ça? Principale préoccupation du gouvernement. Mais t'inquiète. Moi, je veux qu'il y ait un peu de chômage. Pourquoi? Mais tout simplement, comme ça, ils vont pouvoir faire mes travaux. Parce que s'il y a très peu de chômeurs, eh ben, les gros travaux, eh ben, ça va pas se faire. Et c'est chiant. Vous êtes en train de donner un bon. Merci de penser à l'écologie. De rien. Blablabla. On va améliorer nos relations avec eux. On a la France, auquel c'est fini. On a amélioré nos relations diplomatiques. Bon. C'est pas mal. Vive la Nouvelle-Aquitaine. Vive la Nouvelle-Aquitaine. Bon, c'est voté, la loi est votée. Très bien. Comme ça, au niveau du budget, on va être bon. Le vote a eu. Et ça va permettre aussi de faire une déflation encore plus. Plus intense. Donc, on va regarder au niveau de l'Argentine. Encore une fois. Ouais, ça baisse. C'est très très bien parce que ça baisse au niveau de l'Argentine. Et on va continuer. Oh, on a le Burundi. Mais le Burundi, il y aura une guerre qui va éclater aussi, ou alors c'est le Rwanda contre la RDC, donc je ne sais pas. Je ne sais pas si on devrait les attaquer. Je ne sais pas. En tout cas, le Maroc, il paraît qu'ils s'entendent pas à cause du Sahara occidental. L'Algérie le reconnaît en tant qu'indépendant, mais le Maroc, non. Enfin, c'est très compliqué.
Pérou, alors, comment vas-tu, mon ami? S'il vous plaît. Trop aimable. Cette pensée vous honore. Voilà, merci, merci. Allez, une petite alliance militaire. Je crois qu'on va faire que ça aujourd'hui. Hein. Pourquoi? Parce que je vais améliorer nos relations diplo. Mais énormément. Allez. Dis oui, bibiche. Allez, il nous reste 3 chances. 3. 2. 1. 0. Bon. Tu veux pas. Non, j'ai pas dit ça. Je veux faire un petit contrat commercial. Qu'est-ce qu'on pourrait te vendre que tu n'as pas assez, qui pourrait faire flamber un petit peu notre économie, puisqu'on en a bien besoin. Bonjour. Ah, on a une belle croissance, on a à peu près 1%. Vente annuelle, on va te vendre. Et toi, tu demandes même pas ça, ok. Tu produis beaucoup de café. Au niveau du colza, bon, toi aussi, t'en as pas assez. Le coton, non, mais t'en as là. Les drones, est-ce que tu veux des drones? Du fer, ah, t'en produis en plus du fer. Légumes, t'en produis pas assez. Or. Ah ouais, t'en produis beaucoup. Plomb. Ah, je pourrais t'en acheter du plomb. Soda. Ok. Uranium. Ok. Volaille. Eh, hey, mais ils ont tout pareil, hein. Produits chimiques, t'as. Oh. Plomb. Non. Une parfumerie cosmétique. Non. Papier. Non. Oxyde de terre, bon non. Médicaments, bon non. Matériel électrique. Bah oui, ils ont pareil, mais ils ont tout pareil comme moi. Oh! T'as pas assez de maïs? Oh, bah zout. Moi j'ai tant faire du maïs. Salut, on se fait payer. Wow! Non. Voilà. Je te vends ça. C'est bien le maïs. Allez, on va te vendre aussi en autre chose. On va te vendre une banane. Tu veux des bananes? Ben non. Oh, par contre, je veux bien en acheter tes bananes. Parce que nous, on en a pas assez. Par contre, c'est cher tes bananes. 1 milliard. Non, mais oh. Ah, on peut le prix d'achat. Mais écoute, c'est pas grave. Hein. C'est trop cher. Hein. C'est beaucoup trop cher, tes bananes. Ah. L'Irlande, paradis fiscal. Bon. On s'entend bien avec un paradis fiscal. Ok. Pourquoi pas avec Monaco, c'est aussi... C'est pas pareil comme paradis fiscal. Mais c'est un paradis fiscal. Colombie. Volontiers. Bien noir et bien serré, si. Salut. Trop aimable. Fais des efforts. Notre pays doit faire face à de nombreux courants subversifs. Fais gaffe, sinon je te fais la guerre. Vous comprendrez bien que nous sommes amenés à appliquer une politique coercitive adéquate. Ok. Je comprends. Néanmoins, votre demande n'est pas insensée et ne restera pas lettre morte. Car je dois le dire, elle s'inscrit directement dans un programme d'assouplissement que nous souhaitions réaliser depuis un moment déjà. Ok, bon bah c'est bien, c'est bien. C'est bien. Allez, fais-moi un petit contrat non-agression. Allez, tac, 5 chances. 5. 4. On dirait qu'on joue au domino. 3. 2. 1. Bon, ok. 0. Ok. Bon, tu veux pas. Vente. Salut. Ouh, je crois que t'en vendais, mais non. Est-ce que tu fais de la bière? Ah, bah, toi aussi, tu fais de la bière. Ah, mais t'as pas assez de canne à sucre, toi, voyons. Mais fallait me le dire. Ah, si t'en produis. Quelle tristesse. Construction automobile. Ah bah alors, on fait pas d'automobile. Bon alors. Oh, j'ai vendu à un putain de prix quand même, hein. 3 milliards ça va me rapporter. Bon bah sans, hein, c'est tout. Merci. Tu vas me rapporter 3 milliards. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Wow. Monnaie. Money. Et il va me rapporter beaucoup d'argent. Hein. Allez, next.
Qui dois-je voir la prochaine fois? Franchement, en vrai, on pourrait améliorer nos relations diplomatiques avec la Colombie très facilement. Mais comment, Francie? Attends, on investit dans les catastrophes, dans sa catastrophe là. On va le voir et on va lui parler. Pourquoi pas? Mais pour l'instant, je suis en déficit budgétaire, donc c'est pas très intéressant. On va voir au niveau du machin. Remboursement de la dette, ça diminue. Transport, bah oui, bah là, oui, bah après tout ce que j'ai fait, normal qu'il y ait une putain d'augmentation, mais bon. Comme ça, c'est la vie. Alors, Jeux paralympiques d'hiver. Très bien. On va voir un petit peu au niveau des tensions. Ouais, c'est surtout en Libye qu'il y a des tensions. Alors, toi. Volontiers, bien trop aimable. Ok, une petite alliance. Ce que tu veux. Allez, 4 chances. 4. 3. 2. 1. 0. Oh zut, quelle tristesse. Il a pas voulu. Bon, on va te vendre quelque chose. T'as du bœuf? Ouais, t'as du bœuf. Du carburant? Ah! Ben moi aussi j'en ai pas assez. Donc je vais pas faire le malin parce que j'en ai pas assez. Du gaz? J'en ai pas acheté du gaz. Non, je n'ai pas acheté. Pétrole. Je peux te vendre du pétrole. Et oui. Alors, on en a vendu, on en reste encore. Franchement, on peut t'en vendre hein, du pétrole. Mais c'est pas très. Enfin, tu me rapportes peu. Je t'en vends qu'à toi. Uranium, non. 20. Production, bah, ils ont déjà. Au niveau du tabac. Non. C'est normal, au niveau du tabac. On est un peu les rois ici. Pommes de terre. Ah, tu veux des patates? Bon, c'est pas très intéressant. Franchement, t'es pas très intéressant, hein. Plastique. Consommation. Ben, moi aussi, j'en ai pas assez. Pétrole. Parfumerie. Non, ben, pas intéressant. Orange. Tu veux des oranges? Oui, mais ça rapporte peu, encore une fois. Bon, c'est pas très intéressant. Matériel électrique. On en produit. Est-ce que. Ah! J'ai une idée. Que tu fais ça? Est-ce que tu en as? Bon, ben, moi j'en ai pas. Alors bon, ça sert à rien. Est-ce que tu as besoin d'électricité? Ben, ils en produisent plus. Ordinateur. Non. Véhicule. Franchement, on peut en vendre. Ferroviaire. Automobile. Automobile, ça rapporte énorme. Mais bon. Pas intéressant, monsieur Paraguay, hein. Après, c'est un tout petit pays. Mais il n'est pas très intéressant, non. Je suis déçu. Déçu du Paraguay. Je suis déçu. Choqué déçu. Je suis très choqué déçu. Ouais, pourquoi? Moi, je crois qu'on va investir au niveau de la catastrophe, au niveau de la Colombie. Pourquoi? Bah, parce que ça pourrait faciliter nos relations diplomatiques avec. Pas con, Francie. Pas con, pas con. Eh oui, pas con, pas con. Pas con, pas con. À voir, à voir. On y réfléchit. Allez. On va un peu plus vite. Portugal. Ouf, ça va être un peu chaud là. Volontiers. Salut. Trop aimable. Je t'aime. C'est vous qui m'avez colonisé. Maintenant, vous me mettez un truc non-agression. Allez. Je t'ai dit quoi, Bibiche? Attention, hein, moi je fais beaucoup de transactions. Bon, franchement, on va pas s'apitoyer plus longtemps. Je crois qu'on va plutôt faire ce que j'ai dit. On va investir dans les catastrophes. Il faudrait qu'aussi au niveau des États-Unis, il y a une catastrophe. Au niveau de la Chine aussi. Le Royaume-Uni, ouais, aussi. Bon, il y a plein, 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 plein de trucs comme ça qu'on devrait améliorer. Hop. Au niveau de l'inflation ici, ça diminue. Nous, au niveau économique, on en est où? Bon, ça a l'air de passer.
Notre déficit est passé de quand même de 3% à 1, virgule. Eh oui. 1, je sais plus combien, mais c'est quand même pas mal, hein. Attention. Ce n'est pas nul. Ce n'est pas nul. Alors, rendez-vous Suisse. Salut. Volons. J'espère. Oh, ça a l'air pas très bon, hein. La Suisse, en plus, elle est vraiment très très neutre, hein. Même au sujet de la Corée du Nord, elle est neutre. Que ça va être la dernière. On arrête. Même au sujet de la Corée du Nord. C'est fou, quoi. ONU. Petite J'ai une faveur. petite faveur à te demander. Je sais que c'est assez. Non. C'est pas sympa. Temporaire. Alors, qui sont les membres temporaires? Est-ce qui est pas membre? Taïwan. Bah ouais, aussi. Il y a la Chine, donc bon. Sud-Soudan. Permanent du Conseil de sécurité. On va refaire une demande de statu quo. L'Irlande. Oh mince. Bon, bah c'est pas grave. Le Belize. Volontiers. Et je Salut. vous donne raison. Une petite alliance militaire. Allez, non-agression. Tu veux pas? Allez, je force un petit peu. Parce que j'en ai besoin. Tu vas accepter, Bibiche. Parce que moi j'en ai besoin. Allez! Bon, après, t'es qu'en Amérique centrale. Mais c'est déjà moins que rien. Bon, tu veux pas? En fait, je voudrais vraiment améliorer et avoir tout le monde comme allié. Hein. Ça peut être bien, ça. Ça peut être bien. Requête retenue. Botswana, bonjour. Volons. Salut. J'espère que vous n'avez pas. Mais non, t'inquiète. Alliance militaire en agression. Allez. Accepte. Mon agression est à plein de droits chez moi. Ah, même ça, ils veulent pas. Franchement, pourquoi pas le Botswana? Ça peut être intéressant en plus. Et bien en plus, il est bien 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 positionné. Ouais. Il y a même le Malawi qui peut être intéressant. Finances publiques, ça va mieux? Ah oui. Oula. Ça va beaucoup mieux, oui. Je suis très très content. Alors au niveau de notre économie. Ah, on fait de la croissance. Très bien. Plus de moyens. Ok, on va faire ça. On va mettre plus de moyens, t'en fais pas. Mais pendant ce temps, nous, on va se quitter là. Moi, je crois qu'il faudrait qu'on ait encore une catastrophe naturelle. Comme ça, on pourra investir et on pourra en faire devenir des grands alliés. Ah mince, on a fait de la dette. Ah, ça, c'est pas cool. C'est pas très grave. En tout cas, on se retrouve pour un prochain épisode. En plus, on peut être amis avec le Kazakhstan très simple, très facilement. Tout comme avec le Japon. Les Réménages respirent un peu mieux. Pourquoi? Bah parce qu'ils ont ça. Même avec la Turquie, on pourrait être alliés. Oh, ça pourrait être vraiment intéressant. Aussi avec l'Iran, on pourrait être alliés. Oh là 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 là. Bref, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi en commentaire. Je les regarde tous, même si je fais des vidéos en avance, hein, je les regarde. J'y réponds. Pas le jour J, mais j'y réponds. Alors n'oubliez pas. Merci en tout cas d'avoir suivi. Je vous retrouve pour un prochain épisode. Allez, ciao tout le monde!